Et bonjour à toutes et à tous, c'est Magical. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va débuter une nouvelle série, la série de l'été. Donc ce sera sur une map survival qui s'appelle Mega Cube. C'est une map qui a été faite par Airminecraft. Donc ça va être la série vraiment tranquille de l'été. Vraiment pépère, hein, c'est une map survie, donc pour moi il n'y a rien d'extraordinaire à tourner. C'est ça qui est bien pour cette série. Du coup je pourrais tourner des épisodes en avance pour pouvoir vous les passer pendant que je pars en vacances. Donc je suis désolé aussi du retard que cette vidéo a mis avant d'être mise en ligne. Ça fait au moins 2 semaines qu'elle aurait déjà dû être mise en ligne. Mais j'ai le jour où je devais tourner les épisodes, j'ai pas pu, j'ai été invité, donc du coup j'y suis allé. Et j'ai pas pu tourner, donc je suis vraiment désolé pour ce retard. Du coup il n'y a pas eu d'activité pendant 2-3 semaines sur la chaîne. Et je suis désolé, donc je vais réussir à rentrer d'abord dans cette porte, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas y arriver. Voilà, allez, on applaudit, merci. Alors, on va commencer par lire le livre Introduction. Donc, vous allez voir, c'est une map super sympa. Alors, les règles. Utilisez au moins la difficulté facile. On est en normal, c'est parfait. Jouer en mode survie. C'est bon. On peut casser, crafter et placer des blocs. Ok, c'est bon à savoir. Alors, il y a 8 objectifs. C'est tout ce que je sais de la map. Après, on va les découvrir ensemble. Donc, les 8 objectifs, c'est construire un générateur de cobblestone, construire une source d'eau infinie, faire une ferme à blé, faire une ferme à arbre, ce qui va être assez dur parce que dans des petits carrés, bon, vous allez voir, détruire 10 spawners, aller dans le nether, détruire les ender crystals du cube central et trouver le bloc de diamant. Donc il y a des objectifs assez cool. Donc je suppose qu'il faut casser ce verre pour commencer la série. Donc c'est marqué qu'on peut casser les blocs, donc c'est bon. On a le droit. Allez, donc voilà, regardez. En fait, la série, enfin la map, c'est voilà, c'est plein de petits cubes comme ça. C'est plein de petites salles. Ils sont en fait, toutes ces petites salles sont dans un énorme cube. Et puis voilà, donc le cube, je crois que fait 9 salles sur 9 salles sur 9 salles en tout. Donc voilà, il y a pas mal de salles. Ça fait 9 x 9, 80 x 9, ça fait 810 moins 81, ce qui fait 730 à peu près. Bon, ça se trouve j'ai mal calculé, bon on s'en fout. Donc ça fait à peu près 730 salles, donc c'est quand même pas mal. Donc on a des échelles et des torches, ok. J'imagine qu'il faut faire ça. On a déjà l'élément principal d'un début de survie, du bois, donc c'est pas mal ça. Donc on va récolter tout ça. Donc je vous l'ai dit, ça va vraiment être une série tranquille, parce que c'est l'été. Voilà, il fait beau, il fait chaud. C'est l'heure de la piscine, donc voilà. Pourquoi je dis ça? C'est pas possible. Bon bref, récoltons le bois. Et là, j'imagine qu'il y a une salle derrière. Voilà, une salle de sable. Ok, pas mal. Why not? Donc, je pense qu'on va d'abord commencer par se faire des outils de base en bois. J'ai pas l'habitude de faire des outils en bois. Généralement, dès que je commence une aventure, je les fais directement en stone. Enfin, je fais une pioche, après je récolte de la stone et puis je fais ça en stone. Mais là, on n'est pas sûr de ce qu'on va trouver, donc du coup, on va faire ça en bois. On va placer ça ici. On va faire des sticks. On va récolter encore du bois. Là, parfait. Je pense qu'on va commencer par se faire une hache, ça va être utile. Donc on va même la faire directement, comme ça. J'ai pas récupéré de bois. Si. Tant pis, hein. Allez, il était derrière, ce petit coquin. Alors, hop, une petite hache. Ça va aller déjà plus vite. On va organiser un peu notre inventaire déjà. On va foutre ça en bordel. Voilà, comme ça. J'aime bien quand c'est rangé, ça fait propre. Faut faire une pioche, ok. Bon, pour l'instant, on va récolter tout le bois. Je pense que ça peut servir pour la suite. On va essayer de pas prendre de dégâts dessus, ce serait pas mal. Là, on fait un truc stylé parce que, bon, voilà, hein, c'est des vacances, c'est stylé. Hop! Et on va se faire une petite pioche pour pouvoir accéder aux autres salles, même si on peut casser ça à la main. Ça va être plus rapide avec les pioches. C'est pas comme ça une pioche, excusez-moi. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Minecraft, ça va. Peut-être se voir ou peut-être pas, je ne sais pas. Allez, non, là c'est bon, il n'y a pas besoin. On va aller par là aussi. Ça peut servir. Récolter tout le bois, tant qu'à faire. Hein. On y est. Et alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Du gravier et de la stone, pas mal. Ça me paraît bizarre dès que je. Ça se casse super vite. Ouais, c'est des silverfish, les enfoirés. Et regardez comment je casse ça à la main. C'est bien que c'est des silverfish, donc on va pas casser. Ouh là là, la merde. Là aussi, je suis sûr. Bah ouais, là aussi, c'est des silverfish.
Ok. Bah attends, on va quand même vérifier parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Alors on va les bloquer ici. Et si on casse ça? Voilà, c'est des silverfish. C'est vraiment un enfoiré le mapper sans être vulgaire. Hein. J'imagine que tout est silverfish. Ouais, bon, c'est pas grave. Hein. Même là? Ah ouais, punaise. Bon, c'est pas grave. Prendre du gravier, ça peut servir pour descendre en bas. Parce que pour descendre en haut, c'est un peu dur, du coup, voilà. Descendre en bas, c'est pas mal. Ah, putain, il faut que j'arrête avec la pourrie, c'est pas possible. Bon, je suis désolé, c'est les vacances, je me détends un peu, donc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ok, on a des échelles, donc on peut y aller facilement. Allez, ninja, parfait. On met des torches quand même. On en a, ça sert à ça. On a quoi ici? J'arrive pas à voir ce que c'est donc. Le gravier là il va nous servir, c'est pas mal. Je crois que c'est de l'eau. Je ne suis pas sûr. Je vous mettrai sûrement un petit truc de luminosité pour que vous voyez bien. C'est quoi? C'est quoi ce truc? Ah, c'est un nuage peut-être. Vidéo setting, nuage. Ok, oh, la fin. La fin de l'année quoi. Des blocs, bon. Non, je pense qu'on va d'abord remonter. C'est mieux. Hop, on va casser tout ça. Parfait. On va d'abord explorer un peu tout ce qu'il y avait aux alentours de la salle de départ. On va faire ça dans l'ordre, je pense que c'est quand même pas mal. On a des échelles, c'est vrai, j'ai oublié à chaque fois. J'ai placé des échelles un peu partout, bon, c'est pas grave, on s'en fout complètement. Alors, on va aller un peu autre part, genre ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Du mycélium. Parfait. J'imagine qu'en dessous il y a une salle. Ouais, par bingo. Donc je sais pas, je pense que vous avez compris le principe de la map. J'ai trouvé ça assez sympa. C'était original. Et du coup, oh, on a de la lave là. Ok, pas mal. D'accord. Donc de la lave. Il y a un objectif qui dit de construire un générateur de cobble. Donc c'est ce qu'on va faire bientôt, je pense. Enfin, j'espère. Ok, donc on a découvert à peu près tout ici. On va l'explorer par là, hein, soyons fous. Parfait. C'est quoi ce truc? Je vois vraiment rien. Je suis comme vous là, je vois rien. C'est quoi ça? Black stained clay. On a la lumière, on va éclairer, c'est vrai, j'oublie à chaque fois aussi. Allez, on va par là, soyons fous. On va pas trop s'éparpiller quand même. Oh, les blocs de coal. Parfait. Est-ce qu'on peut le récolter? Ouais, parfait. Ouh, bingo, on est riche. Ah, c'est de l'or, ça sert absolument à rien, mais c'est pas grave. Donc déjà, on est riche, c'est pas mal. Là, faut du diamant pour accéder en dessous, parce qu'il y a de l'obsidienne, donc du coup, faudra trouver le bloc de diamant pour y accéder. Ok, bon, bah, on va récolter un peu d'or si on peut. Non, on ne peut pas, d'accord. On va pas quand même s'éparpiller trop. Bon, là, je vais encore une dernière salle plus loin. On va revenir vers le point de départ. Ouais, vraiment, il y a des possibilités immenses dans cette map. C'est ça que j'aime bien. Je pense qu'il y a à peu près toutes les ressources possibles qui sont disponibles dans cette map. Alors que, bah, voilà, c'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Donc vraiment je vous invite à regarder les vidéos, ça va être sympa. C'est les vacances donc il n'y a vraiment pas de stress. J'ai hésité à faire cette map en multi mais bon je préférais faire ça tout seul. C'est plus sympa et donc, comme ça on se retrouve un peu nez à nez avec vous, c'est pas mal. Et bon dites-moi des objectifs que vous voulez que je fasse. Genre construire une maison. Là-dedans ça doit pas être très facile mais bon proposer, enfin voilà. Dites-moi des objectifs un peu loufoques qui sont difficiles à faire. Surtout dans cette map, donc voilà, dites-moi. Hop, ça fait déjà 10 minutes qu'on tourne, bah dis donc. Ok, on a la glowstone. Pas mal. On va aller un peu par là. Et l'obsidienne, ok. On va aller toujours en face, pour l'instant. Ah, il y a peut-être une ressource rare, là. Vu qu'il y a du coal. Du charbon. Non, de l'obsidienne. C'est vraiment louche tout ça, on va aller un peu plus loin quand même. Wow! What the fuck? On va aller par là. Voilà, dernière salle qu'on fait. Mais bon, là c'est quand même assez impressionnant ce qu'il y a. Alors je pense que ça revient sur des salles à peu près basiques après. Avec des ressources plus ou moins. Oui, de l'eau, parfait. J'aime l'eau.
Surtout dans des maps survie comme ça, on n'est jamais sûr d'en avoir. On va essayer d'enlever d'abord toute l'eau qu'il y a. On va se faire un petit truc d'air. Hop, ici, on va respirer un peu. Voilà. Donc c'est bien, je suis content, j'ai pas perdu toutes mes habitudes de survie, donc c'est pas mal. Wow, comment ça va être galère là. On respire. Ah, parfait. Faudrait que je casse ce bloc là. C'est vraiment dur. Hein. On galère un petit peu. Enfin, je galère un petit peu. Voilà, on respire. Là, maintenant, ça devrait se casser super facilement. Je sais plus quel bloc c'était. Est-ce que si je prends la pioche, ça va aller plus vite? Ouais. C'était un bloc de quartz, ok. Donc, je comprends. Pourquoi je peux. Ah, si, c'est bon. Ok. Donc, l'eau, elle est ici, faut s'en rappeler. On va faire un petit chemin, je pense, avec deux torches. Ah, ouais, il y a l'eau ici, on peut descendre. Mais allez, si on casse ici. Est-ce qu'on descend? Allez, on est fou. Let's go, les amis, c'est parti. On n'a pas de bouffe, ça, c'est un peu embêtant. Hop, voilà. On va descendre ici. J'espère qu'il y a des trucs rares en dessous. Et qu'il n'y a pas de vide, surtout, ce serait un peu embêtant. Ah, il y a l'obsidienne, mince. On a fait ça pour rien. C'est pas grave, hein. Oh, il y a une salle ici. On va y aller, je pense. Hop. Donc, le charbon, ça veut dire généralement qu'il y a un truc bien. Ah, ouais, ok. Après, ça revient une salle, ça redevient, pardon, une salle normale. Des éponges. Ça peut servir. Pourquoi? Je ne sais pas. Me demandez même pas. Allez, ça va être très très long. Et il faut de la bouffe. Comment on peut faire de la bouffe? On n'a rien. Je pense qu'on va être obligé de mourir deux ou trois fois avant de trouver de la bouffe. Bon, c'est pas très grave. Je suis pas vous, mais bon, on va remonter avec les échelles, c'est plus grave. Punaise, aïe. Je peux le faire. Non, mais je suis vraiment un boulet. Un gros boulet de première. Punaise, vas-y, continue, je te dis rien. On va monter un peu plus haut que l'échelle, voilà. Et comme ça, c'est bon. Parfait. Voilà, technique de ninja que j'ai appris quand j'étais petit. Hop, on continue ici. Et voilà. Ça sert. Vous connaissez pas ça, hein. Et voilà, je suis en train de mourir, bravo. Faut que je remonte, non. J'étais venu par là. Ah, ah, qui me tape? Ma nourriture me tape. Pardon. Je deviens fou, je sais pas vous. Mais bon, l'été ça me rend fou, donc voilà, c'est comme ça. J'imagine qu'on est chez nous là. Voilà, on va mourir ici, comme ça. C'est tranquille. On va faire un petit point de chute. Ici, parfait. Et on va s'amuser à chuter. Voilà, si on se prend les échelles, ça le fait pas, parce que nous on veut mourir. C'est ça la vie, c'est la mort. Mais qu'est-ce que je dis? C'est pas possible. Allez! C'est bon, on est con. Ah bah ok, on respawn ici. Bon bah pas de problème, hein. C'est pas très grave. J'espère que ça peut nous re-TP au moins. Garder notre ligne d'objectif quand même. Ça peut servir. Aïe aïe aïe, ah oui. Oh, j'étais là où il y avait les silverfish. Forcément, faut que ça tombe sur moi. Est-ce que je peux récupérer des objets? Non. Voilà. Faut que je casse ça à la main, bien sûr. Oh là 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 là. On récupère nos objets. Parce que I speak English. Hein. Lol. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas possible. Voilà, donc ça c'est notre truc de suicide, faut le garder. On peut toujours servir. Si on a une dé non, si on... Pardon. Si on a une dépression un de ces jours. Là on est allé. Là on n'est pas allé. On va y aller. J'aurais bien aimé quand même avoir de la stone. Hein. Mais bon. C'est la vie. C'est la vie. Bloc de colle, ça veut dire objet rare. Du coup, on a de l'obsidienne. Ok. Ah, on arrive pareil à un truc d'obsidienne comme ça qui tombe. J'entends des slimes, je sais pas vous. On va y aller. Je pense que c'est par là. Et que c'est par là. Ouais, y a de la vie par là. C'est parfait. J'ai plus de pioche. Bon, c'est pas parfait, ça, mais bon.
C'est pas grave, hein, écoutez. Oh, c'est des magmacubes, parfait. Ça sert à rien, merde. C'est ça qui est con. On va se refaire une pioche quand même, c'est pas mal. Du bois, bah on prend. Hein. Écoutez. On va se faire même deux pioches. Vous voyez. Mais je suis bête! Il faut que je trouve du fer. Comme ça, après, je me fais plein de trucs en or. Et voilà. J'y ai pas pensé alors en fait. Mais je suis vraiment bête. Mais je crois qu'on peut pas le récupérer avec une pioche en wood. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Mourez. Allez, mourez. Bon, ouais, non, détruire pas possible. Il faut détruire des spawners. Donc déjà, 1. Aïe, 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 aïe. Ah, mais punaise, arrêtez de me taper! Espèce d'enflure! Et voilà, un spawner de cassé! Je vais pas y arriver, c'est pas possible. Ils vont me faire chier jusqu'au bout, ces petits myrmacumes. Ok, donc là on a quoi? Oui, de l'or! On se barre. Du fer, pardon. Oh là, désolé, petit bug, j'ai juste eu le temps de revenir à la base. Donc je suis désolé, on va repartir à l'exploration. Voilà, donc je suis juste à la base, hein, j'ai juste fait le chemin du retour. J'ai eu un petit problème de maison, excusez-moi. Ah, ça peut spawner ici, ok, c'est bon à savoir. Donc là tu vas mourir déjà. Et donc on a eu du fer, donc ça c'est vraiment pas mal. On va pouvoir faire plein d'outils en or, maintenant qu'on a du fer. Ou carrément en fer, parce qu'on en a 32, c'est quand même pas mal. Je sais pas, donc déjà on va se faire une pioche, c'est obligé. Pour faire une pioche, faut des sticks bien sûr, parce que sinon c'est pas beau. Parce qu'une pioche en stick, bah c'est moche. On est bien d'accord. Du coup, on va aller chercher plein d'or. Et on va se faire plaisir. Et je pense que la bouffe va se trouver dans tous ces petits coffres là qu'on va trouver comme ça. L'or est où, s'il vous plaît? I want gold. Ici, je suppose, ouais, voilà. Mes souvenirs sont bons, c'est parfait. Alors, voilà, on peut le récolter. Bon, on va pas récolter 3 tonnes, hein, ça sert à rien. Je pense qu'une bonne une bonne dizaine de blocs, ça serait pas mal déjà. On en a 9, on en a 10. Allez, on en prend 15. 12, 13, 14, 15. Bon, allez, fin. 16, 17, 18, 19, 20. Apprenez à compter avec Magical. Ah là là. N'importe quoi. Il nous reste à peu près 5 minutes de vidéo. Si mes calculs sont bons. Parce que j'ai pas mis de chrono, j'ai juste regardé à l'heure. Mais bon, j'y vais au feeling, hein, c'est l'été, c'est la vie. Pourquoi je dis ça? Mais c'est pas possible. Aidez-moi, voilà, ça nous fait 2 stocks. Donc on va se faire déjà une petite armure, hein, ça sera mieux. Hop. Il nous manque quoi? Il nous manque le casque. Le casque jaune. Parce qu'on a fait pipi dessus. Voilà, je trouvais que ça à dire, intelligent. On va se faire aussi plein de pioches. Par plein de pioches, j'entends pas plein de pioches, hein, genre 5-6, ce serait pas mal déjà. Voilà, 7, parfait. Et j'ai plus de bois, faut trouver du bois. Ah ouais, je suis bête, j'aurais pas dû en faire autant. On va en laisser quelques-unes ici, on en prend, allez, je dirais 4 sur nous, c'est pas mal. La pioche, on va la laisser ici au cas où si on meurt. Voilà, 4, je pense que c'est bien parce que ça suce très très vite une golden pickaxe comme ça. L'or, on va le laisser là. Si on va se faire quand même quelques haches, pardon. Excusez-moi, j'ai eu un espèce de truc bizarre dans la bouche. Est-ce qu'on peut récupérer ça? Forcément, faut que je tombe, sinon c'est pas drôle. On va pouvoir passer une éponge. Vous voyez, je vous avais dit que ça pouvait être utile, une éponge. Ça pouvait être utile, pardon, une éponge. Voilà. Hop! Et voilà, encore utile l'éponge. Parfait. On se fait 8 sticks. On se fait genre 4 haches. Non, 2 haches. Pour l'instant. Hein. Et puis je pense que c'est tout pour le moment. D'ailleurs, Secret Story qui a repris là. Je n'ai pas regardé. Parce que ça sert à rien de regarder ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, je ne dis plus rien.
Donc du coup je me tais si je dis plus rien. Notre truc de suicide, voilà, parce que là on est en pleine dépression, donc du coup faut se suicider. Ouais, bon allez on se suicide. Hop. Faudrait un truc plus efficace quand même, parce que là ça perdre un par un c'est assez. Oh! Ah oui merde, c'est des silverfish. Ouh là là la merde. Alors lui faut pas qu'on le tape, faut le laisser despawner. Que fout un bloc de redstone ici, mais what the fuck? Alors c'est le pur hasard, hein, je vous assure. Trop bien. On va pouvoir même faire de la redstone sur une map survie comme ça. Parfait. Comment faire pour lui? On essaie de le faire tomber dans le trou. Est-ce qu'on est des fous? Ah merde, il y en a deux. Ouh là là. Bah voilà, il est tombé tout seul. Vous voyez, je le fais par la pensée, c'est un peu ça la classe, tu vois. Alors, bon. Lui, comment on va faire? On va l'enfermer, voilà. Non, non, c'est pas une bonne idée ce que je viens de faire. On va aller le mettre avec l'autre. Faut vraiment pas te taper. Voilà, c'est vraiment con Silverfish. Hein. Oui, par contre, c'est super bien avec les pioches en or, c'est que ça casse super vite. Combien de temps il nous reste? Aucune idée, parce que là, l'heure, je ne sais plus quelle heure il est. Et le fer, on va le laisser ici, le flint, ça sert à rien. On va le laisser là, les blocs, ça peut servir. La glowstone, on va le laisser là, le bloc de redstone, on va le laisser là. Pioche, on va le laisser là, au cas où. Hop, parfait, les sticks, on va le laisser là. Non, on va en garder quelques-uns quand même, ça peut servir. Bloc de redstone, de bloc de coal, pardon, on va le laisser là. On va prendre la moitié de nos torches. Voilà, le livre, on va le laisser là. On va se faire un saut quand même, pour faire les objectifs, parce que, hein, on est quand même là pour ça à la base. Une map survie, ça, deux objectifs, il faut les respecter. On va même en faire deux. Parce qu'on est des fous. Et je pense qu'on va aller chercher la vélo. Si ça vous dérange pas trop. Si ça vous dérange un peu, bon, j'y vais. Si ça vous dérange trop, bah j'y vais quand même. Parce que de toute façon, vous avez pas le choix, c'est moi qui décide. De toute façon. Hop. Voilà, parfait, on a un soldat. Où on va le faire notre petit truc? Dans le mur? Non, il y a. Ah, non, Silverfish, mince. Excusez-moi, je suis vraiment noob. Là, je dois l'avouer. En plus, je vais crever, ma vie, bravo. Et ben, ce qu'on va faire, c'est que je ne sais pas combien de tournées d'épisodes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là. Je vais attendre que ces petits Silverfish, pardon, despawn. Et puis, ben, on va se retrouver pour un prochain épisode de la map Mega Cube. Qui est une map vraiment que j'aime bien. C'est assez cool de la faire. Allez, hop, ninja. Tombez dans le trou, bande de trous. C'était drôle. Voilà, parfait. Donc voilà, j'aurais même pas besoin de les laisser despawner. C'est parfait. Attendez, on va suicider quand même. Pour... Ah non, non, non. Ouf, heureusement, faut que je bouge ça. Pas. Non. Oh, mais le noob de première, quoi. Lol. Bon, bref, faut que j'arrête de dire ça comme ça, ça craint vraiment. Je suis sûr qu'on retourne au spawn de départ. Ah non. Bon, d'accord. Si vous voulez, madame. Ça me dérange pas, moi. Pourquoi j'ai plus mon stuff? Il a volé partout. Mais allez, soyons fous. Voler mon stuff. Voler. Ah là là. Donc là, vraiment, on va se dire au revoir. Cette fois, c'est gagné. On va se dire au revoir, vraiment. Donc là, faut pas que je casse, c'est vrai. Oh là là, la merde que c'est. On va prendre de... Ouais, on va se dire au revoir, quand même. On fera les objectifs plus tard. Donc on va se mettre dans un petit coin, on va éclairer avec nos torches. On va faire un truc assez stylé, voilà, comme ça. Le couloir de la vie, de la mort, de l'emmerde, de l'amour. Et on va se mettre bien au milieu. On va se mettre par là, on va faire double F5 et on va se dire au revoir et à la prochaine. Allez, donc c'était Magical et n'hésitez pas vraiment à aller sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Je vous dis plein de choses importantes sur la chaîne. Bah, j'ai même dit que cette vidéo allait avoir un retard de 2 semaines. Parce que j'étais parti en vacances. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur Twitter surtout. Facebook, je poste des trucs, mais beaucoup moins. Mais si vous le demandez, je posterai les mêmes choses que sur Twitter. Vraiment, c'est comme vous voulez, parce que sur Facebook, j'ai un j'aime. Donc il y a une personne qui suit. Donc du coup, je marque pour cette personne, mais ce serait bien qu'il y ait un peu plus de monde quoi, qui me suive. Après, sur Twitter, vous êtes 9 à me suivre. Donc voilà, vous êtes 190 à me suivre maintenant sur la chaîne. Ce serait bien qu'il y ait un peu plus de personnes qui soient sur Twitter. Comme ça, vous savez vraiment tout sur la chaîne, et c'est ça qui est bien. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à y aller. Je vous invite aussi à aller voir ma deuxième chaîne en multi, qui est avec Stebar.
Ça fait d'ailleurs longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Mais pareil, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui suivent, donc du coup, vraiment, allez-y. Et on refera des vidéos si vraiment vous le demandez. Et voilà, donc on attend juste qu'il y ait un peu plus de personnes dessus et qui demandent, quoi. Donc voilà. Il y a une personne qui a demandé sur les 35 abonnés qu'on a sur la chaîne multi. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas refait. Donc vraiment, demandez si vous voulez plus. En plus, on a fait une série inédite, donc vraiment, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est tout pour le blabla de cet épisode. Et donc on se dit à la prochaine, vraiment ça me fait plaisir de faire cette vidéo. Et à la prochaine pour l'épisode numéro 2. Et moi je pars en vacances samedi. Samedi, samedi. Donc voilà, je pense que vous aurez ça pendant toutes ces vacances. Cette série assez sympa. Donc allez, bye bye, à plus. C'était Magical.